Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Barbier, je suis très content de vous accueillir pour cette nouvelle étape. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carte des compétences, un outil qui va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux préparer votre avenir professionnel. Alors, la carte de compétences, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui va vous permettre de faire l'inventaire des expériences que vous avez déjà vécues, des compétences que vous avez mises en œuvre, de ce que vous aimez faire, éventuellement ce que vous ne souhaitez plus faire, ce qui va vous permettre de mieux visualiser eh bien, votre avenir et vous permettre de plus facilement vous présenter lors de nos rencontres, mais également lors de vos entretiens professionnels. Comment créer votre carte? Première étape, prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous avez déjà vécu, que ce soit personnel, professionnel, dans le domaine scolaire ou bénévole, vous avez forcément vécu des expériences. Ensuite, réfléchissez à ce que vous avez fait dans ces expériences, ce qu'on appelle les compétences. Quelles sont celles que vous souhaitez continuer à développer, celles que vous souhaitez utiliser, éventuellement celles que vous ne souhaitez plus utiliser. Et puis enfin, visualisez votre objectif. Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et enfin, dernier conseil, soyez créatif. Utilisez tout ce qui vous intéresse, le dessin, la photo. Mettez en couleur votre carte de compétences. Elle vous rendra unique. Alors, je suis impatient de découvrir vos cartes. N'oubliez pas, il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon de créer cette carte de compétences. Soyez vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le forum. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à bientôt et j'ai vraiment hâte de découvrir votre travail.